Encouragé par Louis Pasteur en personne, le médecin français Albert Calmette met au point le vaccin du BCG contre la tuberculose en 1921 en collaboration avec un vétérinaire français du nom de Sylvain Thénault-Guérin, d'où les initiales de ce vaccin, BCG, la bacille de Calmette et Guérin. Ils vont mettre plus de 20 ans à développer ce vaccin contre la tuberculose, qui est une maladie respiratoire très grave qui à l'époque décime environ 100 000 à 200 000 personnes tous les ans en France. Et ils vont décider de ne pas déposer un brevet sur ce vaccin pour s'assurer qu'il reste accessible au plus grand nombre. Ce vaccin va connaître un large succès puisqu'il va être administré à plus de 3 milliards de personnes et va permettre de sauver la vie de dizaines de millions de personnes à travers le monde et surtout de réduire la mortalité infantile liée à la tuberculose. Mais ce succès va aussi cacher une autre réalité qui est moins bien comprise aujourd'hui, qui est que le BCG protège encore insuffisamment des formes pulmonaires transmissibles de la tuberculose à l'adulte. Et c'est pour ça aujourd'hui que l'on comptabilise environ 10 millions de nouveaux cas de tuberculose dans le monde chaque année, ainsi que 1,5 million de décès liés à cette maladie. Et c'est pour cela que les scientifiques cherchent aujourd'hui à développer de nouvelles stratégies vaccinales, complètement à part du BCG ou en complément du BCG, pour essayer d'endiguer la maladie d'ici 2030. C'est l'un des objectifs, par exemple, des Nations Unies pour le millénaire. Et peut-être aussi que ce vaccin n'a pas encore révélé tous ses secrets, puisque les scientifiques cherchent à savoir s'il pourrait être protecteur contre le Covid-19. C'est normal. Ouais. C'est la pile, c'est ta la batterie, ouais. Qui fait ça. Ouais. Mais bon, du moment que tu la colle pas. Tu vois, l'exemple, ce que tu viens de faire, ouais. T'as jamais vu sur des enquêtes le cadeau. T'en es pour là, toi. Le cadeau et les mecs qui tiennent la lampe en dessous. Oui. T'as jamais vu ça sur les certaines enquêtes. J'ai pas prêté attention, mais ouais. Et ben, tu penseras à ça la prochaine fois, tu regarderas le cadeau, puis tu regarderas que les lampes, ils les mettent en dessous. Même s'ils le mettent en dessous, ça fait déclencher le gaz. D'accord. Donc, ouais. Descendre, 15. C'est juste parce que tu l'as collé, mais après, c'est que tu tiens de la bouche. Oui, c'est vrai, là. Non, mais je l'ai mis. C'est vraiment si tu la colles. Ah,
c'est toi. Je pense qu'on va faire deux parties. Je pense qu'on va faire une partie filmée par là parce que les deux marraines qui sont dessinées au sol, elles sont au bout. On a ça le saut là-bas. Hein ? Ouais, et après on mettra aussi de l'autre côté. En face, on a notre ami de meuf et le saut est pareil. On a l'autre côté. Là-haut, tu vas au bout. Puis la photo, elle est là. Ouais, la photo, nous, on l'a remise, tiens, elle est là. On la laissait pas comme elle était. Bonsoir. N'ayez pas peur de nous. Nous sommes ici ce soir pour faire une petite enquête paranormale pour essayer de savoir si encore quelqu'un, une entité, une âme dans ces lieux. Donc nous vous avons mis à disposition du matériel. Donc n'hésitez pas à vous en servir. Pour vous faire montrer votre présence. Donc n'hésitez pas à faire déclencher nos appareils, à nous faire montrer que vous êtes ici avec nous et que vous voulez nous parler. Nous sommes ici ce soir pour vous, donc n'hésitez pas. À tout à l'heure, merci. C'est vous qui assurez. À tout à l'heure. Le temps, il y a des jours, il n'y a pas grand-chose.
cuisine. Alors, tiens. Non, mais t'en as une, c'est pas la mémoire, mais t'en as la grande, c'est pour le. Ouais, c'est de la. Et tu vois, t'as un petit portail qui est là-haut, à mon avis, ça, la petite maison devait faire partie du. Oui, c'est le jardin. Hein? C'est le jardin. Coucou les petits amis. Salut. Comment allez-vous? Alors de nouveau pour une nouvelle vidéo. Nouvelle enquête. Nouvelle enquête. Ouais. Dans un lieu inédit. Inédit. Un sanatorium que Lulu nous a trouvé. On connaissait déjà l'adresse depuis longtemps, mais on pensait que voilà qu'il avait été rénové ou enfin je sais plus exactement. Il s'avère que non, donc c'est pour ça que nous sommes là ce soir et c'est pour ça que nous avons invité Lulu ce soir à venir avec nous, du fait que c'est elle qui nous a trouvé le lieu. Donc voilà, donc on ne sait pas de plus, hein, comme on vous dit maintenant, on ne s'est pas renseigné sur le lieu, on le fera pendant l'enquête, mais apparemment, d'après ce que tu nous disais, ça sera le bâtiment des hommes. Des hommes. Des hommes, ouais. C'est ça, ça hommes, garçons, ouais. Enfants aussi. Ouais, ouais. D'accord. Il y aurait apparemment un autre sanatorium plus loin. Qui a été détruit. Qui... Ah, ah, il a été détruit, oui. Bah, d'après ce que... Ah oui, c'est vrai. Je ne sais plus comment ça s'appelle, elle nous avait trouvé... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais oui. Elle avait trouvé qu'il avait été... Qu'il avait été détruit. D'accord. Donc, il est 22h... je ne sais plus, mais mettez lunettes, papy, ça sera mieux. Il est 22h35. En même temps, tu vas allumer ta lumière de la montre. T'allumes la lumière que quand t'as tes lunettes. Mmh, je sais. Nous allons débuter l'enquête et puis on va voir ce que ça va donner, ce qui, s'il y a quelque chose ou pas. Et voilà, on y va. C'est parti. Bonsoir. 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 Donc comme on l'a dit, comme on s'est présenté en haut, n'ayez pas peur de nous. Nous sommes ici pour faire une petite vidéo sur le paranormal. Savoir si... Je crois qu'il a fait un pas bizarre. Ouais. Bah oui, mais j'ai fait ça. Ouais, parce que je regarde l'écran et je vois pas. Enfin. Donc moi je m'appelle David. Moi c'est Jérôme. Donc n'hésitez pas à nous montrer votre présence. Pour ceux qui souhaitent communiquer avec nous. Comme on a dit tout à l'heure, nous sommes ici pour ça, ce soir. Donc, n'ayez pas peur de nous, en tous les cas. Est-ce que quelqu'un voudrait bien communiquer avec nous? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez cogner dans un mur, par exemple. Est-ce que vous voulez bien lancer quelque chose, bouger une porte ?
N'hésitez pas à nous parler aussi. Nous avons la possibilité de vous entendre. Nous avons nos caméras et nos enregistreurs numériques. Donc nous vous entendrons peut-être pas sur le moment, mais nous entendrons après les analyses. Est-ce que quelqu'un souhaite communiquer avec nous ? C'est quoi ? Oui, tu m'as secret. Non. T'as entendu aussi, non ? Ouais, j'ai entendu. Tu l'as entendu ? Mmh. Ça venait. Bah, ça venait de par eux. Après, ça peut être une bête. Je sais pas qu'il y ait eu un bruit par là. Bah, c'est ça, je te dis. Je sais pas. Une pièce encore à côté. Ah, je l'ai entendu. Je sais que toi, t'as fait quelque chose, mais c'était pas ça. Il y a une toilette à côté. Hein ? Une toilette. Et ça vient du toilette. Là, c'est monté à 0,23 mmHg, sans bouger. Ça vient du toilette ? Ouais. Comment tu sais ? Parce qu'il vient de la toilette. Je vais le regarder. Ouais, non, mais le bruit. Que j'entends, lui, il est là. Ah, il vient, le bruit vient du toilette, mais tu sais pas le toilette. Ah non, Ouais, on sait pas c'est quoi. Ah. Ouais. Ça peut être un animal, hein. C'est rien de. Comme tout est ouvert de partout, mais moi j'ai entendu quelque chose. Oui. C'est monté de 0,06 à 0,23 mmHg. Enfin, pas là, hein. C'est redescendu forcément. C'est redescendu. Hein. Ouais. Est-ce que c'est vous qui avez fait un bruit pour nous montrer votre présence ? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît ? De quoi ? 0,35 là. Ouais. C'est descendu à 0,11. Et là ça va parce qu'on voit encore à peu près clair. Faut y faire tout. Pas la même ambiance après. Ouais, est-ce que des enfants sont ici avec nous ? Si c'est le cas, nous avons mis au grenier un nounours. Vous pouvez le toucher, vous pouvez le prendre dans vos bras si vous souhaitez. Vous allez voir s'il est très marrant. Il fait de la musique et des couleurs, de la lumière. Donc, n'hésitez pas à aller le déclencher. Donc, vu que c'était un sanatorium, je pense qu'il y a eu certainement des décès dans ce lieu.
Donc si des personnes sont encore ici, bloquées ici, bah, venez vers nous. Venez communiquer avec nous. Et si vous avez besoin d'aide, peut-être nous pourrons vous aider. Ouais. Pareil, après on fera en se posant. Ouais, en se posant et en mettant un petit peu de matos. Je suis d'accord, ils ont peut-être dit 0,18. Ouais, bon. Vas-y, je te suis. N'hésite pas lui à poser des questions. Ouais. Si t'as, si tu as besoin. Si t'as besoin. Tu peux, enfin, si tu veux, quoi, je veux dire. Quelqu'un avec nous, est-ce que vous pouvez faire monter l'appareil rouge, s'il vous plaît? Avec l'écran rouge. Quand tu marches, quand tu le mets ou à gauche, ou à droite. Si tu le mets à gauche, moi je peux mettre à droite. Ouais, mais c'est pour ça que je me suis décalé. Je vois pas clair, c'est vrai. C'est le cas des lunettes. C'est pas faux. C'est pour voir de près, lui. C'est pour voir de près. Descendu à 0,11. Vous pouvez augmenter l'appareil, s'il vous plaît? Vous pouvez vous déplacer aussi, vous pouvez marcher sur le sol, on vous entendra. Mon ventre. Vous pouvez courir. Faites tout ce que vous voulez. Jouer à la marelle. Nous avons installé une pompe EMF. Qu'est-ce qu'une pompe EMF? C'est ce qui va vous permettre de prendre de l'énergie. Alors vous pouvez aussi prendre de l'énergie dans nos batteries, mais je refuse que vous preniez l'énergie de notre corps, s'il vous plaît. C'est juste que nous en avons besoin pour repartir. Mais vous pouvez prendre dans nos batteries, aucun souci. Vous pouvez augmenter le nombre de l'appareil, s'il vous plaît, que je tiens dans la main. Approchez-vous. Allez, chien, va être chiant. Parce que c'est les chiens de la propriété d'à côté, à mon avis, ils nous entendent. Mmh. Ouais, je pense. N'ayez pas peur de nous, approchez-vous, manifestez-vous.
Tu avais eu un pic ici quand on était venu. J'ai eu 0,34 instant. Ah, encore? Et c'est au même endroit. 'Quelqu'un est avec nous en ce moment. Hein? Il y a des poubelles là-dedans. Ouais. Ça c'est clair. Si quelqu'un est avec nous, faites du bruit. Faites-nous montrer votre présence, s'il vous plaît. Je sais que des hommes et des enfants ont passé une partie de leur vie dans ce bâtiment. Pour une maladie pas agréable du tout, donc on vous comprend. Mais approchez-vous de nous. Nous sommes ici en aucun cas pour vous chasser ou vous faire du mal. Du tout. Quoi ? C'est plutôt calme. Ouais, c'est calme. Il se peut aussi que pour l'instant il le juge. Il voit l'impression d'essayer de faire. On va essayer de lui faire confiance. Je vais tout à fait vous faire confiance. Pas pour vous chasser, ni pour vous embêter. Désolé les petits amis du bruit, mais il y a énormément de choses au sol. Donc on n'a pas le choix de marcher dessus, malheureusement. Nous sommes ici pour essayer d'entrer en communication avec vous. Vous pouvez nous faire confiance. Tous les appareils que nous mettons à votre disposition sont inoffensif pour vous. Peut-être pour certains, vous nous avez déjà vus, puisque nous sommes déjà venus avec Séverine. Lulu est déjà venu aussi. Vous voulez bien faire du bruit, s'il vous plaît ? Avance. C'est le moment de faire du bruit, parce qu'on avance, on va faire du bruit, donc on va passer. Mais faites du bruit assez distinctement, s'il vous plaît. Qu'on puisse savoir que c'est bien vous. Alors quand nous sommes venus avec Séverine, il y a eu un gros bruit.
Donc on ne sait pas si c'est naturel ou pas. Mais si c'était vous, ben on aimerait bien que vous le refassiez, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes content que nous soyons là ce soir pour vous ? Si ça vous fait plaisir, faites-nous un signe, s'il vous plaît. C'était à ta lumière, tu vas aller. Ah putain, ça va. Si je fais ça. Ouais, comme ça c'est bon. C'était quoi ça? C'était quoi le bruit? C'est moi. Non mais juste avant, il y a eu un boom. Je sais pas. Il y a eu un boom. Un boom? Un boom. Ouais, c'est peut-être moi. Bah, t'as pas connu ton bras dans le mur Pardon? T'as pas cogné ton bras dans le mur? Ah non, ton coude. Non. J'ai entendu un bout. Non, je sais que j'ai fait des bruits avec. Oui, c'est que je l'ai entendu, mais c'était juste avant. Oui, mais tu l'as dit avant, donc. Moi, je n'ai pas entendu. Moi non plus. Je me suis dit. T'es possédé. Oh, regarde. Truc de ouf, ouais. Ah, là, c'est pas moi. Allez, d'accord. Ouais, non. Merci beaucoup. Putain, la première fois que je déclenche. Mais... Grave. Merci infiniment. Vous pouvez recommencer, s'il vous plaît. Vous pouvez refaire ce que vous venez de faire, s'il vous plaît, sur l'appareil dessus. T'es dessus. Oui, j'ai dessus. Oh, putain. Normalement, on le voit. Sur ma caméra, je le vois toujours. Donc... Il s'est jamais déclenché, ce machin. Tu vas peut-être pas avoir la couleur, mais tu vas avoir les différences de teintes. Oh, regarde. Est-ce que vous pouvez recommencer ah, c'est trop génial. À déclencher cet appareil, s'il vous plaît?
C'est la première fois pour nous qu'il se déclenche en enquête. Donc c'est fantastique. Donc, est-ce que vous pouvez recommencer à faire ce que vous avez fait, s'il vous plaît? Vous avez vu, c'est pas un piège. Vous pouvez toucher n'importe quel autre appareil et il n'y a aucun piège. Est-ce que ça vous amuse toutes ces couleurs? Est-ce que maintenant vous pouvez toucher l'ourson? Vous allez voir, il fait de la musique et il s'illumine de la même couleur que l'appareil que vous venez de faire. Quand tu cries, ça. Je m'entends pas parler, j'ai les oreilles bouchées, je t'ai dit. Laisse-la un trou. Peut-être qu'il était sur moi en fait. À la distance où t'étais. C'est bizarre, ouais, t'étais loin. Non mais déjà c'est bizarre que elle, quand moi, elle le déclenche. Ouais. Voilà, quand je l'ai déclenché la première fois. Ouais. Peut-être l'entité était sur moi. Et c'est pour ça que ça s'est déclenché. Impossible, ouais. C'est avec votre main. Oh, j'espère qu'on va l'avoir à la caméra. Parce que logiquement, oui. Et que bah, c'est resté accroché à la parole. Ouais, ça fait combien de temps qu'on l'a ? Ça fait 5 ans, 6 ans. Ça fait 6 ans qu'on fait ça, toi t'es pas arrivé tout de suite. Non, mais j'en ai eu. Mais Jérôme, il avait aussi un enquête. Ça doit bien faire 4 ans que je l'ai, 4 ans et demi. Il s'est jamais. La seule fois où t'as cru, ben, c'était quand c'est... Ouais, c'était au château de la petite fille. Ouais, mais il y a que moi qui l'ai vu du coin de l'œil et je peux pas l'affirmer à 100%. Mais tu vois, je savais même pas qu'il faisait de la couleur. Ah oui, la couleur. Si, si, moi je savais qu'il faisait de la couleur, mais. Je parle de moi, je vais pas parler quand même. Est-ce que vous pouvez déclencher un autre appareil, s'il vous plaît? Il y a un petit ourson qui est illuminé. Vous pouvez le toucher, le prendre dans vos bras, s'il vous plaît. Combien de fois on va pouvoir faire de spirit ici? Laissez-moi respirer dans cette pièce, laissez-moi. Tout partout. C'est non, pas carreaux, partout. Les carreaux sont cassés partout, les chiens, partout. Les chiens, ils aboient par là, donc. Bah, normal, la maison, elle est là. Si ils nous entendent, nous, ils vont entendre la moindre fréquence. Ils sont là, juste derrière, ou quoi? On va voir. Ah, je suis trop content. Merci infiniment pour ce que vous avez fait déjà. Ah ouais, non, nous en sommes extrêmement contents. Mais est-ce que vous pouvez faire un autre déclenchement d'appareil, s'il vous plaît? Celui que vous voulez, n'importe lequel. Vous avez le choix. Vous approchez et vous touchez la petite antenne bleue, le petit fil bleu, ça va faire monter les chiffres. Il bouge pas, c'est bien ce qui me semblait. Oui, depuis tout à l'heure, je l'entends. Je sais pas si ça venait de dehors. C'est ça, j'ai entendu tout à l'heure quand vous avez dit, j'ai entendu un boom. C'est ça, j'ai entendu, c'est exactement ça. C'est ce que j'ai entendu tout à l'heure aussi, je disais ça marchait. Ça fait pas eux. Fluide quoi, t'as pas assez. De temps en temps, t'as un pas. C'est ça. Est-ce que c'est vous qu'on entend marcher? Si c'est le cas, déclenchez nos appareils, s'il vous plaît.
m'en doutais qu'il allait le dire. Fais abstraction. N'ayez pas peur de nous. Comme on vous a dit, nous ne sommes pas ici pour vous faire du mal ou vous chasser. Vous êtes ici, chez vous. Et si vous avez besoin d'aide, nous sommes là pour vous aider. Du moins, essayez de vous aider. Si nous, nous ne pouvons pas vous aider, on vous apportera des personnes qui pourront, eux, vous aider. On vous appellera des personnes, parce qu'on ne va pas les apporter. Oui. On est juste de passage. Vous avez vu, nous ne sommes pas ici pour casser. Le lieu est déjà assez dégradé comme ça. Et nous ne sommes pas ces gens-là. Nous ne faisons pas partie de ces personnes-là. Nous respectons les lieux. Et respectons aussi les âmes, les entités qui pourraient encore s'y trouver. On respecte dans le grenier. Souris ou je sais pas quoi. Oui, je pense qu'il y a pas mal d'animaux. Hein. C'est pour ça que c'est pour ça que les bruits, c'est très. Voilà, si c'est pas un bruit franc, non. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Pour communiquer avec nous, si vous pouvez faire un bruit assez franc, assez distinct, voyez, comme ceci. Voilà, si vous faites ça, on saura que c'est vous. Parce que comme c'est ouvert aux quatre vents, il doit certainement y avoir, et il y a certainement des animaux. C'est même sûr. C'est sûr et certain même. Des rongeurs, des oiseaux, des chauves-souris. Et on voudrait pas confondre. Donc il faut vraiment faire un gros bruit. N'hésitez pas à faire tomber quelque chose, on vous en voudra pas. Mmh. Faites tomber une porte, faites tomber un meuble, c'est pas grave. On aura peut-être peur sur le moment. En même temps, un meuble, il est déjà par terre. Hein. Oui, mais autre chose. Vous lancez un tuyau, ce que vous voulez. Claquer une porte. Mais pas sur nous de préférence, s'il vous plaît. Ça serait bien. T'as vu là ? Il était plus fort le bruit. Ouais. Je sais pas, j'avais l'impression que c'était un craquement dehors, comme si quelqu'un avait marché sur une branche. C'est mon ventre. Mais merde, on demande un bruit plus fort, on a un bruit plus fort quoi. Après, est-ce que c'est. Non, ou pas, non, je pense pas. Non. Tu me sens bien. C'est pas le cas. Mais c'est est-ce que vous pouvez vous approcher? Les gars, merci beaucoup. Merci. Suivez-nous si vous voulez continuer à communiquer avec nous ou pas, ou à déclencher nos appareils. C'est très gentil. Merci. Ils sont passés par là, ça sent le parfum. Thank you.
qu'il y a quelqu'un avec nous en ce moment. Si ah, je vais dire, c'est quoi. Si oui, montrez-nous votre présence, s'il vous plaît. Nous savons qu'il y a quelqu'un ici. Vous êtes plusieurs. Alors plusieurs, je sais pas. Moi, je me sens bien, en tous les cas. Mais c'est vrai que je me sens observé. Mais je me sens très bien, par contre. Je sais pas comment vous vous sentez, vous. Ça va. Ça va aussi. J'ai un peu la mal de crâne. Mais vous sentez pas comme si on était observé ou Non. Non. Que vous êtes là avec nous. Donc n'ayez pas peur de nous, approchez-vous, venez nous voir, venez nous rencontrer. C'est ça. Comme on l'a dit tout à l'heure, on n'est pas là pour vous chasser, vous êtes ici chez vous. Nous ne sommes pas là pour voler ni pour casser. Nous sommes ici juste pour entrer en contact avec vous. Pour connaître votre histoire, savoir si vous allez bien. Comme ici en paix. C'est ça. Alors peut-être que pour le moment vous nous observez simplement, voir ce que l'on fait, pourquoi on est là, pourquoi tant de matériel. Donc on vous l'a expliqué, hein. C'est simplement parce qu'on peut pas vous voir. Enfin, on pourrait vous voir, c'est assez compliqué pour vous, je pense, à vous manifester. Je pense que c'est plus facile pour vous de déclencher nos appareils. Est-ce que tu as l'enregistreur? Bien sûr. Après l'enregistreur? Bien sûr. Voilà. On va faire une séance. Pour t'expliquer, bah, tu as déjà fait montrer, tu sais, c'est l'enregistreur à bande. Je vais le remettre à zéro et on va poser chacun une question. Comment on avait fait Donc, bonsoir. Est-ce que quelqu'un est avec nous en ce moment dans cette pièce? Juste devant, je sais pas moi. C'est pas toi. Ah non, j'ai pas bougé. Je me suis demandé c'était quoi. D'accord. Donc, bonsoir. Est-ce que quelqu'un est avec nous en ce moment dans cette pièce? Juste devant, c'est pas moi. C'est pas toi. Ah non, j'ai pas bougé. Je me suis demandé c'était quoi. D'accord. C'est pas
Continuez à vous approcher. N'ayez pas peur. Combien êtes-vous avec nous en ce moment, dans ce lieu? Est-ce que vous pouvez citer un de nos prénoms, s'il vous plaît? Est-ce que ça vous fait plaisir que nous soyons venus vous voir ce soir? Sur un truc, mais je vais bouger, moi. Mais je sais pas. Mais là, c'était pas loin. C'est juste après que j'ai demandé est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette pièce. Là, c'est ma tête, par contre. C'est ma capitrice. C'est juste après. On va entendre. Allez. Tu l'as dit une fois et après t'as répété quand Séverine t'a demandé. Mais est-ce que tu l'as dit deux fois avant que Séverine te le demande? Tu ne te rappelles plus? Non. Parce qu'il me semble que j'entends quelque chose juste avant. J'entends deux fois. Un chuchotement. Après, est-ce que c'est moi ou pas, je sais pas. Il y a eu un chuchotement, un autre chuchotement où là tu l'es et Séverine te dit quoi, mais il y a eu un chuchotement avant ton chuchotement. Mais je sais pas ce que ça a dit.
passer. Je vais les laisser là parce que le chuchotement du début me semble bizarre. Parce que ça a chuchoté deux fois. Ça a chuchoté une première fois, léger. Après, ça a rechuchoté. Et là, Séverine me dit, t'as dit quoi ou un truc comme ça. Et t'as répété, genre, il y a un truc qui est tombé devant moi ou qui a fait du bruit devant moi. Ouais, qui a fait du bruit parce que j'en sais. Mais je me rappelle plus si tu l'avais dit deux fois avant que Séverine te le dise. Te le demande. Je suis sûr qu'on verra sur les caméras. Ouais, oui. Oui, de toute façon. Oui, je le verrai sur les caméras. Donc, je ne veux pas l'effacer. Non. Bonsoir. Est-ce que quelqu'un est avec nous en ce moment dans cette pièce? J'ai pas voulu. C'est pas moi. Hein? Il y a eu un bruit juste devant, c'est pas moi. C'est pas toi? Ah non, j'ai pas bougé. Je me suis demandé c'était quoi. D'accord. Continuez à vous approcher, n'ayez pas peur. Quelqu'un voudrait bien communiquer avec nous grâce à cet appareil, s'il vous plaît. C'est moi. Approchez-vous, n'ayez pas peur. Venez nous parler. Quelqu'un voudrait bien communiquer avec nous grâce à cet appareil, s'il vous plaît. C'est moi. Peur. Il y a un peu. Je pense que ça a dit oui. Ouais, il me semble. De loin, mais très loin. Et n'ayez pas peur de nous, comme on vous a dit, on n'est pas là pour vous embêter. On est juste là pour faire une enquête, un reportage sur le paranormal.
votre plaisir de communiquer avec vous. Écoutez, c'est peut-être votre seule chance de pouvoir communiquer avec quelqu'un. Le vivant. Parce qu'on ne doit pas être nombreux à venir dans ce lieu pour faire ce genre d'enquête. Donc si vous avez un message à nous passer, à transmettre à un proche, ben, n'hésitez pas, dites-le-nous. On refera d'autres séances dans d'autres pièces. Oui. Donc n'hésitez pas à venir continuer à nous parler. Merci si vous avez essayé de communiquer. Merci beaucoup. Merci. On met fin à la séance. Ça n'a pas dit que c'est lointain. Faut qu'il s'approche, faut qu'il prenne confiance. En même temps, s'il ne voyait pas beaucoup de personnes. Il n'y a pas de radio parce que au début ça a fait 2-3 fois le tour. Ouais. Et il n'y avait absolument rien.
entendu. Hein? Good. Parce qu'il y a un clou. C'est pas ce qu'on ferait jouer avec quand même. Il y a un clou. Ah, c'est toujours des coups. Faut être plus grand pour le voir, c'est sûr. Je m'y attendais, j'attendais, forcément. Ta douche. C'est ta douche. C'est bien. Allez, vas-y. Bah, vas-y quoi ? On se met là. D'accord, y'a rien. Y'a rien. Non, mais sinon, on se met pas là. Non. C'est le pieu qui fait ça. N'hésitez pas, s'il y a quelqu'un avec nous, à nous le faire savoir, s'il vous plaît. Montrez-vous, manifestez-vous.
Ici, c'est glauque. Bizarre. Hein. Ça, c'est de la terre. Oh, putain. Tu marches pas droit, il y a une chaussure, je crois. Ouais. On se met là, dans le coin. Comme ça, je pose la caméra. Ça marche bien. Hein. J'aurais dû prendre le temps, en fait. Je t'avais demandé. Hein. Hop, avec des petites gueules. C'est bien comme il faut. Sortant du sac, et quand je l'ai posé, et quand j'ai fait ça, ça... Oui, mais je sais pas, frotte ta main sur le sac et approche-toi, moi. Ah oui, le sac, il est là. Ouais. Non, mais toi, tu viens de là, ça sera pareil, ça sera parti. Oui, j'ai pas fait ça. Hein? Pas ça? Non, parce que... Je l'ai allumé en sortant du sac. Ce sera allumé... C'est statique, donc... Il est passé devant, c'est pas allumé. Ah, il était faible le verre. C'est bizarre. Ouais. Oh. Ouais. Là par contre, personne n'est passé devant. Et le rouge aussi. Ah, mais alors attends. Ouais, c'est une information là. Rouge, j'ai vu, quoi. Non, j'ai pas bougé, parce que quand il s'est allumé. Bah merde. Même le rouge, il n'y avait personne. Ah oui. Ouais. Merci. C'est pas moi qui regarde. Ouais, c'est toi là. Non, j'ai fait la même chose là dans le rouge. Ouais. Ah oui, là, c'est toi. T'as eu trois mots là. Ah oui, mais le vert là. Ah, le vert. Ah. Oh. C'est ça, mais c'est mauvais. Merde. Ça marche le vert. Mais le plus loin, c'est pas bougé en plus. Mais le plus loin. Ouais, c'était bizarre quand même. Quoi? Bah, le déclenchement, c'était bizarre. Ouais, c'était bizarre le verre. Ouais, c'est pas toi qui prends là? Recule. Ah non, non, tu le sens. Ah non, c'est pas vrai. Donc il y a bien quelque chose. Merci. Regarde, je suis là, je dis. Ah si, je vais pour le verre. Si. Ouais, bah, ça fait bizarre comme si quelqu'un qui est rentré, quoi, le verre et puis tout derrière le rouge. Ouais. Et vas-y, le terrain, il est plein de l'air. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez vous éloigner de l'antenne, s'il vous plaît?
pouvez vous éloigner de l'antenne, s'il vous plaît? C'est pas moi, je suis là. Bah ouais. J'ai un mal de crâne, un mal. Ah bon? C'est beau là. Ouais. La nuque. Est-ce que vous pouvez vous éloigner de l'antenne, s'il vous plaît? Ouais, c'est ce que j'allais dire. T'as entendu le bruit? Non. Ça... T'as entendu, il y a un bruit en même temps? Non, j'ai pas entendu. On va le recalibrer, pardon. C'est pas fait bouger? Oui, c'est le recalibre. Recalibre, David. Je vais vous libérer. Non. Quoi? Recalibrer. Oui, je vais recalibrer, mais je vais y libérer en même temps. Non, recalibrer. C'est bizarre. Ta caméra là-bas, elle filme quoi, David? Le matos ou nous? Nous. Rouge. Ouais. Toi, tu vois, toi? Ouais. Parce que sinon... Bah, je vois, moi, je vois un peu tout. Okay. Je vois un peu tout le matos. Je suis un peu bancal, par contre. Attends. Là-bas, t'étais derrière le mur, donc ah c'est oui, pas possible. Derrière le mur, il s'est allumé en rouge. Ça, c'est normal, qui vient, mais c'est normal si je suis devant. Non, mais t'étais derrière, non, mais t'étais derrière le mur, il David. Il s'est allumé en rouge. Donc c'était impossible qu'il te capte. Oh. Merci beaucoup. Merci. Puis c'est deux... super gentil ce que vous faites. Les deux bougies, elles vacillent vachement chaud. Ouais. Et là-bas aussi. Mais il y a hyper fort derrière. Ouais. Là-bas, mais celle-là, elle est protégée. Ah, je sais bien. Encore la balle. Hein? Le rouge qui vient encore de s'allumer. Ouais, mais ici il va pas capter. Ah, mais t'étais plus loin, hein. T'étais au niveau du machin. Ah, merde, t'as pas bougé. T'as pas bougé, c'est allumé. Oh là là, c'est que. Ah oui, c'est bizarre ici. En tous les cas, merci pour tout ce que vous faites. C'est peut-être elle qui a déclenché aussi, non? Non, non. Bah, avec la lumière, non, elle se serait pas accrochée. Non. Tandis qu'elle vient de passer juste à côté de la pyramide.
Vous dites comme merci beaucoup. C'est ce qu'on demande depuis tout à l'heure. Et vous commencez, vous voyez, à vous approcher, à activer de plus en plus nos appareils. Ça, c'est formidable. Comme on vous l'a dit, il n'y a pas de piège. Non. Nous ne sommes pas là pour vous piéger, vous capturer ou je ne sais quoi encore. On est juste là pour communiquer avec vous. Donc merci infiniment pour ce que vous faites. Est-ce qu'il vous est possible pour vous de passer à côté de la pyramide qui se trouve là-haut? Alors soit d'un côté ou de l'autre, ça va allumer une lumière. D'un côté rouge et d'un côté vert. Si vous faites ça, on pourra peut-être rentrer communiquer. Je bouge. C'est-à-dire qu'on pourra vous poser des questions et vous pourrez allumer la couleur souhaitée. Selon vos réponses. Selon les réponses. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de vous dire? C'est bon. Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez déclencher un appareil, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes content que nous soyons venus vous voir? Si c'est le cas, déclenchez un de nos appareils, s'il vous plaît. Vous êtes content que nous soyons venus vous voir? Est-ce que vous pouvez passer du côté vert de la pyramide? S'il vous plaît. Et si ça ne vous fait pas plaisir, passez du côté rouge. Vous êtes parti? Un bout, mais plus, je pense que c'est à l'étage. Ouais, à l'étage. Mmh. Moi, j'ai entendu comme un fou. Ouais. Thank you.
l'entendre, ça, vu comment on va frotter. Et c'est le seul accès, c'est là. Ah, après, passer par dehors. Non, c'est à l'étage. Tiens, regarde le verre encore. T'es trop loin, hein. Ah, bah non, t'étais juste devant moi. T'es juste là. Donc c'est pas possible. Bah non. J'ai essayé, moi, tout à l'heure, debout. Un truc qui t'a suivi. Vous me suivez aussi ou. Ouais. Oui, c'est le moment où j'ai dit vous êtes parti. Ça a fait un boom, mais à l'étage, oui, le matin. Ouais, mais oui. Merci. Ouais, j'ai un peu de croupi, mais c'est pour ça que je me donne mon humeur parce que. Bah, ça me fait chier, t'en fiches trop mal aux jambes. Non, pas vous pouvez en déclencher le thérémine, s'il vous plaît? Vous avez assez prouvé que vous êtes là, avec nous. Nous, ce qu'on veut, c'est rentrer en communication avec vous, vous poser des questions. Savoir si vous avez besoin d'aide, si vous allez bien. Quelle est votre histoire? Parce que c'est pas le tout de déclencher les appareils. Si on veut communiquer. Par exemple, vous posez comme question, est-ce que vous êtes bien là où vous êtes? Ben vous allez vous faire déclencher la lumière verte, par exemple, ou un appareil. C'est ça que l'on veut. C'était quoi ça? Est-ce que vous savez que vous êtes décédé? De bois, tout ça, non? Si t'avais compris ça ou quoi? Ben, j'ai pas bougé. J'ai entendu du bruit par là.